Les amis, l'heure est grave. Je demande pardon au peuple camerounais. Gabriel Lange, tu pleures parce que ton nom est dans la liste. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Tu n'as qu'à pleurer, on s'en pisse, on s'en tape. On gagne à Jutaïe, tu es dans la liste, bim. Bimez-moi Gabriel Lange, pissier, quand ça va sortir comme ça va sortir. Tous ceux que le DG l'a cité. Vous me voyez pleurer et demander pardon à Shakir. Oh, quoi, c'est le théâtre. Je suis un comédien pur et naturel. Hey! Attendez, vous voulez museler les gens? Les gens ne peuvent plus parler. Tout ça, ce n'était que le buzz. Alors, je donne raison même à Valsero. Il donne même raison même à l'autre qu'on appelle Aïcha Kamouas là. Elles ont raison, c'est le buzz. Il les a frappés. Boum! Je vais vous expliquer, Mélion, ce qui s'est passé. Je reçois dans la presse de Gabriel Nandjib. Il me fait comprendre que je lui ai manqué du respect. Je lui ai demandé qu'elle t'ait manqué du respect en quoi faisant. Oh, tu ne peux pas me manquer le respect à quelqu'un qui crée les stars. J'ai créé moi Minga, j'ai créé Zizou, j'ai créé ceci, j'ai créé cela. Il dit que tais-toi. Moi-même, j'ai donné la visibilité aux gens qui sont stars aujourd'hui. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle partout que Gabriel Nandjib, on a pris quoi sur ton nom, que tu es en train de faire quoi, que tu es ceci, que tu es de côté, que tu es double sim, que tu es le proviseur. Quitte là-bas. M'attendez. Pas de quoi, ne faites pas. Mais ça va péter. Hein? Vous attendez, vous allez fouiller. Hein? Vous êtes sérieux là? Je m'interroge. Jusqu'à vous manquer de respect, vous levez le nom de Gabriel Nandjib, il a pleuré. Moi, pleurer parce que je suis un bon acteur et je suis dans le meilleur film camerounais, Ngannou. Les petites relations que vous avez au Cameroun vous trompent. Redescendez sur terre. Ma chérie, mon derrière est fait pour péter, pour chier. Vous avez maintenant compris? Vous comprenez dans la compréhension? Même le buffle ne me fait pas peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous les Camerounais là, moi vous parle maintenant, ça veut dire quoi? Moi je n'ai rien contre les doubles sims là, hein. Ah bon? Mais petit frère, quand tu regardes l'homme debout, un mâle dominant, viril, debout, je que somme l'homme d'autre homme. Tu me dis que je suis de côté. Vraiment, je suis étonné. Pause publicitaire. Ok, avant de continuer, je voudrais rapidement vous inviter à la découverte du complexe Las Vegas à Messassi. Ok. Voilà, désormais, si vous avez vos événements à célébrer, n'hésitez pas à contacter le complexe Las Vegas situé à Messassi. Le complexe Las Vegas dispose de 2 salles de fête climatisées, hein, avec des couverts, des didiers et un espace pour la cuisine. Vous avez également besoin d'un endroit pour le repos. Rendez-vous rapidement au complexe Las Vegas. Là-bas, il y a 10 chambres VIP et 10 chambres classiques. Un restaurant VIP également et un snack bar. Appelez rapidement le contact qui s'affiche au bas de cet écran pour entrer en contact avec le responsable du complexe. Ok. Toi le gros... Assieds-toi là, gros bonhomme. Lui et moi marchons ensemble. Que tous ceux qu'on a cités là sont les Ndepso, qui sont double plus au Cameroun. Shakiro. Toute action qu'on mène dans le virtuel, tu insultes quelqu'un dans le virtuel, tu auras des répercussions dans le réel. Ça, c'est clair. La vie des réseaux sociaux a une répercussion directe sur la vie réelle. Vous comprenez? Si vous n'arrivez pas à vous protéger, vous allez détruire vos vies. Aujourd'hui, tu es venu, j'ai tourné un clip vidéo, j'ai fait venir le général Makosso. Donc Makosso est aussi bizarre. Comme j'ai fait venir le grand moustique, le charismatique et Fingon Kalala, ils marchent avec moi, ils ont tourné dans mon clip. Ils sont aussi bizarres. T'es trop bête. Tu as la mentalité d'acier. Si dedans, c'est le fer, mon frère. Que j'ai perdu. Je n'ai jamais perdu de concret, moi, perdre de concret. Quoi? Mais ta tête, c'est les pop-corn. Moi, je perds un concret. C'est ta bouche. Si vous n'arrivez pas à vous protéger, si vous ne sortez pas dans la bulle de buzz, vous ne vous rendez même pas compte que votre buzz de merde est déjà empoisonné. Je suis arrivé à une étape de ma vie, il faut que je me confesse. Parce que ma conscience me reproche. Et fait, il pleure jusqu'à ce qu'il pleure. Oh, pardon. Vous n'avez pas vu que quelqu'un demandait pardon, il vite couper ça pour ne pas rire à la fin. J'étais entendu pleurer l'autre jour sur internet, Gabriel Nandjib, parce que je regarde tout et tu sais. Oh, maintenant on m'a enlevé parce qu'ils ont dit que j'ai perdu le contrat, patati. Là, tu étais encore en train de rigoler. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Ça va me laisser, Seigneur. La vie est tout le monde belle et tranquille sans ça. Gabriel Nandjib peut coucher chez lui, n'est jamais à l'hôpital. Vous parlez quoi? Sa tête ne... Vous trouvez que j'ai mal fait? Vraiment, petit frère,
Calme-toi. Vous ne vous rendez même pas compte que votre bœuf de merde est déjà empoisonné. Je demande plus pardon. Quitte-la. Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Je vais te faire comprendre que le Cameroun a le service de renseignement ici en Afrique le plus élevé. Et je te dis là où tu te trouves pour le moment. Tu es à Lagos. Et là, à Lagos, tu es dans le quartier qu'on appelle... On appelle le quartier là, c'est encore quoi là même? Issoulouapo Street, l'avenue Issoulouapo à côté de... Tu as l'avenue Issoulouapo à Lagos. Oui, à côté de l'église. À côté de l'église de Chimichoshua, celui-là qui était mort. À Lagos, nous on connaît là où tu es là. Et tous tes appels. Et ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que toi, tu as un groupe de personnes où vous êtes réunis pour... prouver que tu ne peux pas dépasser le Cameroun, mon type. Tu es la personne à non grata au Cameroun. Tu as touché les personnes qu'il ne fallait pas toucher pour le moment. Vous ne vous rendez même pas compte que votre bœuf de merde est déjà empoisonné. Tu as touché les Emi Dani, les Poupi, les Iviro Jess. Tu as touché les enfants qui se battent, les Claudio Ndiala. Tu as touché tous ces artistes-là qui ont le nom. Pourquoi tu n'es pas allé citer que les Bensikine et les Ndokotila sont les deux côtés, les doubles cimes? Vous ne vous rendez même pas compte que votre bœuf de merde est déjà empoisonné. Pourquoi tu n'es pas allé insulter les gens qui se battent qui n'ont pas le nom? Tu n'as que choisi que les talentueux comme Steve Fa. Pour raconter les énormités. Est-ce que vous vous rendez compte à quel jeu dangereux vous êtes en train de jouer? Jusqu'à on te croit. Donc, fou comme ça. Jusqu'à viennent qui perdu les contrats. Que oh la mère de l'autre. Qui? Tous mes enfants sont là. Tout ce qui est fabriqué, ils vivent toujours. Vous ne vous rendez même pas compte que votre bœuf de merde est déjà empoisonné. Ouais. Et on n'aurait pas dû faire ce direct. Est-ce que vous vous rendez compte à quel jeu dangereux vous êtes en train de jouer? Je remercie le conseil de Balsoro. Merci, grand frère. Tu as parlé comme un grand. Et Aïcha Kamouas. J'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise, je vais toujours donner mon avis. Mais si vous n'arrêtez pas de faire les cons tout de suite, les gars, je vous jure devant Dieu, vos débiletés vont finir par entacher réellement vos vies. No comment outside. Coronavirus kill all people. No comment outside today. Tomorrow, ni after tomorrow. Me, my home. Je suis à la maison. Vous comprenez dans la compréhension? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.